Hello, hello. Alors, je suis rentrée du coup de chez Noz et Jiffy. On a aussi fait stand privé, donc dans la zone de Maraud-et-Limoux. Et du coup, on a acheté plein de choses pour la salle de classe des enfants. Comme vous savez, bon, là, Ewen est en maternelle, il est en maternelle dans notre village. Mais on fait aussi le complément classe à la maison. Parce qu'on trouve que ce qu'ils apprennent, c'est pas assez suffisant pour eux. Donc, il a une prof d'anglais et nous, on fait plein d'activités et plein de lectures, de chiffres, de lettres. Enfin, on apprend plein de choses à la maison en jouant. Alors, c'est pas du travail scolaire, mais on essaye de leur faire découvrir plein de choses. Du coup, je me suis un peu lâchée, j'avoue. J'ai acheté pas mal de matériel, surtout pour organiser les nouveaux meubles, du coup, qu'on a fini. Donc, je vous l'avais montré sur Insta dans un post. Du coup, j'ai acheté plein de choses. Alors, j'ai pris une boîte, donc c'est un seau spécial pâte à modeler, donc avec une petite machine pour faire des gâteaux, plein d'accessoires. Donc, il y a 22 accessoires, le tapis de jeu, donc pour pas mettre de la pâte à modeler partout, et 3 pots de pâte à modeler. Mais bon, ça, on a déjà plein de pâte à modeler. Donc, j'ai juste pris ça, c'était chez Jiffy en offre VIP, donc j'ai dû payer 7 euros quoi. C'était vraiment pas cher et c'est pratique parce que du coup, le seau il tient dans une des cases du meuble. Donc comme ça, on pourra tout ranger dedans. Donc ça, c'est parfait. J'ai aussi acheté pour les cases des meubles des petits bacs avec 4 tiroirs. Voilà, pour pouvoir faire le tri, surtout dans les crayons, les feutres, les gouaches et puis les feutres. Les crayons pastel et tout ça, donc j'en ai pris deux. Pareil, il y avait une offre VIP braterie, donc ils étaient à 7 euros, c'était très 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 bien. J'ai pris aussi pour organiser les tiroirs du meuble de l'ancien buffet, donc j'ai pris des grands bacs. Voilà, j'en ai pris quatre. J'ai pris quatre plus petits. Voilà, on va pouvoir ranger tout ce qui est colle, paillettes, les tubes de colle paillettes. Je vous avais déjà mis déjà plusieurs fois l'offre des tubes paillettes. Et j'ai pris aussi des petits carrés comme ça, donc pouvoir mettre tous les tampons, les petits pots de peinture. Enfin bref, pour vraiment organiser les tiroirs au mieux. Hop, et j'en ai pris des un peu plus grands. Voilà. Donc pareil, hein, pour ranger tout le bazar des activités, les paillettes, les perles. Enfin, bref. On a tellement de choses pour faire les activités qu'il me fallait plein de bacs, du coup, pour les ranger. Pour la déco, j'ai trouvé ça chez Stand Privé à 3 euros. Donc, c'est des applis, des supports décoratifs lumineux à poser. Donc, c'est avec des piles, c'est super pratique, il n'y a pas besoin de brancher. Donc, j'ai pris le nuage et une étoile verte. Voilà, donc c'était les deux disponibles. Donc, ça, c'était chez Stand Privé. 3 euros, franchement, c'est nickel. Ça va nous faire une belle déco dans la salle de jeu. Après, j'ai pris aussi ces bacs-là. Je vais vous en montrer un. Hop, c'est du 9 litres et ça tient pile poil dans une case de notre meuble IKEA. Voilà, donc on pourra ranger les puzzles droits à l'intérieur avec toutes les pièces. J'ai trouvé une technique pour ranger les puzzles. Franchement, j'ai hâte de la tester. Il faut juste une boîte fermée, donc ça, c'est parfait. Mes enfants ont des centaines de puzzles. Aussi bien sur la nature que des puzzles enfin, sympas comme les Disney, les Pat' Patrouille, des trucs comme ça. Mais ici, ils ont aussi beaucoup de puzzles d'apprentissage avec les chiffres, les lettres, les animaux, les voitures, les camions, enfin bref, il y a plein de choses. Et du coup, elles étaient à moins 50% les boîtes. Donc ça valait vraiment le coup, je crois que je les ai payées 2,50. Donc ça, c'était hyper intéressant. J'ai aussi acheté un ciseau comme ça. Donc avec plusieurs formes. Ça, c'est pour faire les activités de découpage. On va faire du collage, découpage. Sincèrement, je ne sais même pas le prix. Je crois que c'était 4 euros. Enfin, voilà. C'est pour les activités des petits. Et après, j'ai pris plein de choses. Alors là, c'était nos estampes privées. Alors j'ai pris plusieurs lots de perles en bois. Donc ça, c'était chez Jiffy, ceux-là encore. Je crois que j'en ai pris 4. Je pensais en avoir pris 4. Oui, voilà. Hop. Donc les perles, bon, je ne veux pas en plastique, hein, donc on les a pris en bois. Et ah, voilà. Il y avait plusieurs sortes, voilà.
Donc, on va pouvoir faire les activités. Ça, c'est top. Je vais pouvoir les mettre dans une petite caisse comme ça. Et on fera des activités perles. J'ai pris aussi ça. Ça coûtait 50 centimes. C'est des petits bâtons colorés. Voilà, j'en ai pris plusieurs. J'ai pris 4 paquets. Toujours pour faire des petites activités. On va monter des moulins, on va faire des maisons. Enfin bref, j'ai vu plein de trucs. Bon, alors ça, c'est pas du tout pour l'école. Je vous montre quand même. J'ai trouvé des DVD sympas. Donc là, les 4 DVD. Donc ça, c'est pour la voiture quand on fait des trajets avec les enfants. Donc c'était 1,99. Franchement, ça vaut trop le coup. En plus, il y a le monde secret des emojis. Il était sympa. Il y a l'étoile aussi avec les animaux. On a beaucoup aimé. Les deux autres, je connais pas. Donc on verra. Et j'ai pris Nico le petit renne. On adore ce dessin animé. Et là, bah, franchement, 3 euros pour un Blu-ray DVD 3D. C'est top. Vu que nous, on a une télé 3D, c'est vraiment génial. Donc il y a les deux DVD classiques pour la voiture. Et on va garder le DVD 3D pour la maison. Ça, c'était juste le petit extra qui n'était pas prévu. Mais vu le prix, franchement, ça valait trop le coup. Après, là, c'est tout ce qui est paillettes. Petite caisse, hop. Chez Stand Privé, toujours, j'ai pris des cahiers. Donc j'ai pris 4 Spider-Man et 4 Star Wars. Donc c'est des petits cahiers tout simples. Hein. Voilà, pour faire de l'écriture. Parce qu'on apprend le prénom, on apprend le nom de famille, on apprend à faire les chiffres. Donc voilà, c'est des petits cahiers qui étaient à 30 centimes. Franchement, c'est parfait pour ce qu'on voulait en faire. Voilà. Offre spéciale, 30 centimes le petit cahier. Et il y a, je crois, 56 pages. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Donc, bon, c'est très bien, puisque Ewan apprend tout juste à écrire. Donc, je lui ai pris aussi mes premiers mots en anglais avec les autocollants. Donc, ça, c'est pour qu'il fasse avec sa prof d'anglais. Parce que, du coup, il a une prof qui vient le voir 2 fois par semaine pour jouer avec lui. Et du coup, lui parler qu'en anglais. Donc là, il a tout à recoller, les oiseaux. Je trouvais ça très sympathique. En fait, ça fait une activité gommette, mais en anglais. Voilà. Pour 1,79. C'est très très bien comme support. Alors, j'ai aussi acheté ça. Ce sont mes décors 3D à créer. Alors, bah, mon fils est fan des dinosaures. Donc, bah, bien sûr, j'ai pris les dinosaures. Donc, on retire les pages. Ceci, c'est le décor. Voilà, on le déplie, il se colle. Et vous avez les stickers à placer sur le fond, le décor. Et après, là, c'est en 3D. Donc, c'est les personnages à construire. Voilà, pour pouvoir jouer. Et pour pouvoir apprendre la vie des dinosaures. Donc, j'ai trouvé ça super mignon. Je pense qu'on va bien s'amuser. Vous voyez, ça se rentre dans l'autre page. Et ça fait ceci à la fin. Donc c'était 2 euros chez Noz. Donc on voit que ça coûte pas loin de 6 balles. Là, 2 euros, c'était très bien. Et du coup, il y a plusieurs dinosaures. Donc on va apprendre à reconnaître les dinosaures. Ça, c'est très bien. On a un livre complet sur les dinosaures. Et Ewan, il adore. Donc c'est parfait. On a aussi pris, pareil, mais à la ferme. Donc ça va nous permettre de travailler sur la maison, hein, puisqu'on a une mini ferme à la maison. Donc, on va pouvoir travailler plus précisément sur ce qu'on fait à la maison, mettre en image et expliquer un peu plus en détail que quand on est dehors, parce que quand on est dehors à la mini ferme, on joue plus qu'autre chose. Donc voilà, c'était très bien comme support. Dans le même style, j'ai pris donc ma maison à décorer. Donc c'est la collection La Fabrique. J'aime beaucoup cette collection et il y en a très souvent chez Noz. Donc on construit la maison, on colorie, on la fait comme on aime et au fur et à mesure on peut créer une histoire. Ça c'est très très bien pour développer l'imagination et pour qu'il fasse du travail un peu plus appliqué. Donc on va lui faire des colorier comme il veut la maison, mettre des stickers, mettre des gommettes. Enfin, on a plein de choses donc on pourra compléter. J'ai aussi acheté des pastels à l'huile. Voilà. Donc on va, comme ça on va pouvoir faire du dessin sur tableau. Donc là, il y en a 36, ça coûtait 2,39 €. C'est vraiment pas cher. Il y avait un grand pack de 48, mais je trouvais que les couleurs, elles se ressemblaient vraiment beaucoup. Donc là, j'ai pris les 36, c'est très très bien. Et j'ai pris des livres qui sont super mignons. Donc ils sont à 3 euros.
C'est ouvre et découvre. Donc là, par exemple, pour le ciseau, on nous dit c'est un lapin. Ah bon? Eh oui, regarde, c'est un lapin. Donc on adore ce genre de livre avec Ewen. Il adore découvrir ça. Donc là, c'est un kangourou. Mais pas du tout. Regarde, c'est un kangourou. Enfin, j'ai une passion pour ce genre de livre avec Ewen. On adore les livres avec les collerettes à soulever. Donc, ils sont vraiment bien. Donc, on en a pris quatre de cette collection. On a pris aussi C'est un crocodile, C'est un chaton et C'est un pélican. Donc, on va apprendre les animaux. Et puis, du coup, ce genre de livre, je trouve ça très très bien. Ils ont tellement hâte de soulever pour découvrir ce qu'il y a en dessous. C'est vraiment un bon apprentissage. Ah oui, et puis j'ai aussi deux bricoles. Les mettre. Parce qu'on a beau en avoir pas loin de une dizaine à la baraque, on ne les retrouve jamais. Donc j'en ai racheté deux. Un de 7,50 m et un de 5 mètres. Voilà, ça c'est sur le truc pas du tout scolaire, mais j'en avais vraiment besoin pour les travaux. Donc voilà, donc on a acheté tout ça. Donc je vais ranger tous les placards. Et puis du coup, je vous ferai des petites photos après de comment on a rangé. Je vais installer aussi les deux petits décors. Et puis après, je vais aller finir ma porte de garage. Voilà, là il y a l'électricien qui passe ce soir pour les câbles là. C'est n'importe quoi. Les anciens propriétaires, ils ont fait vraiment de la merde. Voilà, du coup, on va ranger tout ça. On va mettre ça dans le meuble là. J'ai tout rangé, tout organisé. Et après, du coup, je passerai voilà, tout ça. Je dois encore repeindre tout ça en blanc. Et réinstaller, du coup, toute la salle de classe et d'activité.